Voilà, 7h du matin, mercredi. On dit au revoir à Saint-Félicien. On revient samedi. C'est parti. Et on commence par monter. Allez, 6 km et on casse la croûte. Eh ben dis donc, on va prendre des kilos à l'arrivée. Hein. Ça fait plaisir de trouver quelqu'un de son âge. Oh, ça rappelle bien des choses, ça. Ah, j'ai pas pris mon passeport. Et pour payer, le Colombin, je l'ai laissé à l'hôtel avant de partir ce matin. Je sais pas comment je vais faire. On m'avait prévenu. Mais quand même... Bon, on va y aller. Hein. On l'a pas dire, hein. Ils ont de l'humour. Voilà les gorges de l'Ardèche. Paysage magnifique. Merci. On tente le diable toujours. Hein. Les kilos qu'on va prendre alors qu'on est venu pour en perdre. Oui, mais vous n'avez plus rien. Oh, le vélo. C'est bon les fraises? Super! Elles ont oublié les gâteaux. Il faut se lever pour croire vers le droit, le titre de roi des cloches. Oh, j'ai pas pris le bon vélo, moi. Ouais, on était prévenus, hein. Et il manque pas d'humour. Ils font rien qu'à nous saper le moral. Quel plaisir, l'Ardèche. C'est pas le plus haut, mais c'est le plus dur.
car c'est le dernier de la journée. Ouf, c'est la fin de la première étape. Arrivé à l'hôtel de ville. Un peu déçu parce que on peut déguster l'eau naturelle gazeuse Vals. M'attendais au rosé, moi. Voilà pour le deuxième jour. Aujourd'hui, 150 km, un petit 2000 mètres de dénivelé. Voilà, c'est parti. Les mines, il ne croit pas si bien dire, parce que la mine, il y en a une là, déjà en face. Il va falloir passer ça. Ouais. Voilà, la 4,5, bon, il est génial. C'est pas un pourcentage important, mais c'est long. C'est long. C'est 10 km 8. Ouais, 10 km, mais ça se fait bien. Allez, c'est parti. Il faut monter. Voilà, toujours cette belle nature. Voilà, on va en terminer avec cette première difficulté. Le vent n'est pas levé. Commence à faire chaud. Voilà, j'en ai terminé de la première difficulté. C'est la seule vraie aujourd'hui. Ouais. La mine est passée, comme on dit. Reste plus que quelques petits pétards. Petite minute encore, s'il vous plaît. Des parcours fantastiques, 10 000 mètres de dénivelé pour chaque parcours. Là, il faut être costaud quand même. Hein. Faut l'avoir dans les jambes. Toujours les gorges de l'Ardèche. Toujours les gorges, toujours. Nous avons quand même de beaux panoramas chez nous en France. C'est pas magnifique ça? Surtout quand on a un beau soleil comme ça. Regardez ça. Pas beau ça? Bon, je tremble un peu aussi, mais... Saint-Marcel en Ardèche. Et sa plage. Il nous arrive de prendre des coupes-gorge. Faut même monter les escaliers. Nous voilà arrivés. Eh bien, journée de galère. Très grosse chaleur. Heureusement, depuis un quart d'heure, l'orage arrive et on a quelques gouttes, ça rafraîchit. Donc, voilà. Enfin. Voilà, c'est la troisième étape. Prêt pour le départ, on quitte notre hébergement.
passage pas à gué, mais presque. C'est ça l'Ardéchoise. Gorge, toujours les gorges. Le vent se lève. Et en plus, il est défavorable. Voilà, on a monté 10 km déjà. Et il en reste plus que 5, mais c'est de plus en plus dur. Allez, en voilà encore un. Mais c'est pas fini, la journée est même pas à moitié du dénivelé et les kilomètres, bien sûr. Allez, encore un. On va avaler les autres maintenant. Voilà, maintenant on délace les lacets. Encore un d'avaler. En fait, ça monte encore un petit peu, mais c'est pas méchant. Bon, voilà, je pense que c'est la dernière difficulté de la journée. Tout à fait en face, entre les deux poteaux, tout au loin, on aperçoit le mont Gerbier de Jon. On verra demain matin, on passera tout près du mont. On peut dire même presque au sommet. Mazan-l'Abbaye. Ah, c'est le dernier de la journée. Maintenant, on plonge dans le lac. Non, vers le lac. Le lac d'Issarles. Voilà le lac avec sa plage. C'est ça aussi l'Ardèche. Tout à l'heure, je croyais que c'était le dernier. Eh ben non. De toute façon, on va pas en faire un fromage. Hein. Bon, finalement, tout à l'heure, je croyais que c'était le dernier. Eh ben non. On termine par le mont Gerbier de Jon. Voilà, le tête caillou. C'est là où la Loire prend sa source, comme tout le monde le sait. Voilà, c'est samedi matin. Donc déjà un petit col pour démarrer la journée. Le soleil n'est pas encore levé, mais ça ne saurait tarder. Voilà, il y a déjà une demi-heure que je suis parti. Dernière difficulté. Enfin non, je me trompe là. C'est la première difficulté de la dernière étape. Oh là là, le col de l'Ardéchoise. N'allez pas croire qu'il n'y en a qu'un. On s'en est déjà farci 3-4 petits avant d'arriver là. Saint-Martial. Charmant petit village qui domine le lac. Voilà Saint-Martial et son lac. Faut pas oublier que l'Ardéchoise, c'est aussi un peu le tourisme. Il y en a qui foncent là, la tête dans le guidon. Je suis sûr qu'ils n'auront pas vu le lac. Et bonjour l'ambiance. La flamme rouge du dernier kilomètre. Un bonheur.